Comme il est bon de se retrouver dans son pays, dans sa ville natale, quand on les a quittés pour courir le monde pendant des années. Mon nom est John Watson et je suis docteur en médecine. J'arrive des régions lointaines de l'Afghanistan, obligé de quitter l'armée à la suite d'une blessure assez grave. Et déjà, l'air de Londres agit sur moi comme un tonique. Mais en parcourant ces rues familières, j'étais très loin de me douter que le hasard d'une rencontre allait m'entraîner dans les aventures les plus extraordinaires d'une vie pourtant déjà bien mouvementée. Mon cher Sam. Oh, Watson, quel joueur! Ah, c'est bon de se revoir. Comment va la santé? Sûrement moins bien que la vôtre. Vous avez une mine superbe. J'ai appris que vous avez été blessé. Oh, une simple éraflure à l'épaule. Asseyez-vous. Merci. Un petit verre de sherry? Oh, maintenant? Oui. Alors, quels sont vos plans actuels? Rien de précis pour le moment. Avant tout, je cherche un logement. J'essaie de résoudre le problème d'un appartement confortable à un prix raisonnable. C'est curieux. Vous êtes le second aujourd'hui qui ait employé cette expression. Ah oui? Qui était le premier? Vous ne le connaissez pas. Un garçon qui vient au laboratoire de l'hôpital pour faire des expériences. Ça peut vous intéresser? Sûrement. J'habiterai volontiers avec quelqu'un qui soit convenable. Eh bien, je... Il ne l'est pas? Oh, c'est pas ça. Il est un peu bizarre. Que voulez-vous dire? Bon, je n'ai rien à reprocher à Holmes. C'est son nom, Sherlock Holmes. Mais quand je l'ai vu ce matin, il faisait des recherches sur un cadavre. Ah, quelle recherche? Il le battait avec une canne. Je m'en pardon. Vous avez sonné, monsieur? Nous voudrions deux, chérie. Bien, monsieur. Que disiez-vous que ce Sherlock Holmes faisait au juste? Il frappait un cadavre avec une canne. Oh. Mais pourquoi diable faisait-il ça? Il voulait savoir s'il était possible de faire des bleus sur le corps d'un homme mort. Pourquoi? On sait rien. Lui avez-vous demandé? C'est encore un détail bizarre à propos de Holmes. Jamais il ne vient à l'esprit de personne de l'interroger. Oh. J'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. Vous arrivez juste à temps pour vivre une minute historique. Vous êtes le docteur Watson. Oui, c'est moi. Qu'avez-vous réussi? Une expérience concluante sur l'hémoglobine. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Vous devez être Sherlock Holmes. Ceci va créer une révolution dans les enquêtes criminelles. Oui, je suis Holmes. Comment saviez-vous que j'étais Watson? Parce qu'il est évident que vous arrivez d'Afghanistan. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Comment savez-vous que j'arrive d'Afghanistan? C'est inscrit sur votre personne. Le problème, généralement, c'est qu'un homme est soupçonné d'un crime des mois après que le crime a été commis. Alors, quand on découvre du sang sur un vêtement, il est très difficile d'affirmer si c'est bien du sang ou des taches de rouille. Et ceci, évidemment, supprimera toute incertitude. Évidemment. Évidemment. Stamford m'a dit que vous cherchiez quelqu'un avec qui partager un appartement. Oh, vous savez, si ce test avait été fait il y a un an, il aurait prouvé que Von Bischoff de Francfort était coupable et on l'aurait pendu. Il en aurait été de même pour Brandfort, Muller et Lefebvre, naturellement. Naturellement. Mais de qui parlez-vous? Je suis très heureux de faire votre connaissance, Watson. Je crois que vous aimerez l'appartement. Il est dans Baker Street, vous savez. Oh, nous pouvons aller y jeter un petit coup d'œil si vous le désirez. Oui, oh oui, ça ne vous dérange pas. Bon, ça ne vous gêne pas que je joue du violon? Non, non, allez-y. Non, non, pas maintenant. Je veux dire quand nous partagerons l'appartement. Oh, pas du tout, j'adore la bonne musique. Ah, c'est que j'ai peur que la mienne ne soit pas bonne. Ah. Dites-moi, Holmes. Oui? Comment avez-vous su que j'arrivais d'Afghanistan? Parce que c'est évident. Oui, vous l'avez déjà dit, mais je ne vois vraiment pas pourquoi. Vous êtes médecin, vous l'avez dit vous-même. Oui. Mais avec une allure militaire marquée, par conséquent médecin de l'armée. Votre visage a été bruni par le soleil. Je sais que ce n'est pas votre teint naturel parce que vos poignets sont blancs. Vos yeux indiquent que vous avez été récemment malade. Probablement atteint de paludisme. Et la raideur de votre bras gauche décèle une blessure à l'épaule. Alors la question qui se pose est, où un médecin militaire a-t-il pu contracter le paludisme et être blessé à l'épaule? Et la réponse, mon cher Watson, c'est à la guerre actuelle en Afghanistan, naturellement. Naturellement. Voyons, c'est évident. Naturellement.
Satisfait de notre visite au 221B Baker Street, nous emménageâmes dès le lendemain. Je ne connaissais Sherlock Holmes que depuis 24 heures, mais déjà j'étais frappé par ses facultés d'observation vraiment fantastiques et par sa personnalité déconcertante, qui parfois même me choquait. Ce qui me dépassait surtout, c'était tout ce qu'il savait et tout ce qu'il ne savait pas. Oh, allons, mon cher Holmes, vous voulez dire que vous ignoriez que la Terre tournait autour du Soleil? Elle le fait vraiment? Mais n'importe quel écolier sait cela. Maintenant, je le sais aussi, et j'essaierai bien vite de l'oublier. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi devrais-je me le rappeler? Voyons, parce que c'est un phénomène naturel. Est-il important? Est-ce qu'il affecte notre vie? Si au lieu de cela, notre planète tournait autour de la Lune, ça changerait-il quelque chose à notre façon de vivre? Eh bien, si vous le prenez comme ça, non. Donc, c'est un renseignement sans utilité. Et il est de mon devoir de l'oublier. Et je vous engage à faire de même. Au début, je croyais qu'il se moquait de moi. Mais je compris bientôt qu'il était sincère. À son insu, je décidai d'établir une brève classification de ses connaissances. Littérature, néant. Philosophie, néant. Astronomie, néant. Politique, sans intérêt pour lui. Botanique, connaissance totale de tout ce qui touchait aux poisons végétaux, mais ignorance absolue des plantes les plus communes. Chimie, sans secret pour lui. Littérature criminelle, au courant du moindre détail de tous les crimes perpétrés depuis plus d'un siècle. Je pense que nous allons avoir un visiteur. Vraiment? Vous croyez qu'il vient ici? J'en suis persuadé. J'ajouterai qu'il est sergent en retraite de l'infanterie de marine. Ah, vous le connaissez? C'est bien la première fois que je le vois. Dans ce cas, c'est une des remarques les plus saugrenues que j'ai jamais entendues. Comment pouvez-vous deviner qu'il est sergent en retraite de l'infanterie de marine si vous ne l'avez jamais vu? Enfantin, mon cher Watson. Je le sais par déduction. Oui, c'est exact, il vient bien ici. Me permettez-vous de lui demander sa profession? Mais certainement. Où ai-je mis ma boîte à violon? Elle est ici. Tenez, la voilà. Ah, mon vieil ami. Entrez. Excusez-moi, messieurs, j'apporte un message pour Monsieur Sherlock Holmes. Merci. Excusez-moi. Oui? Pourrais-je vous demander votre profession? Bien sûr, monsieur. J'occupe un poste d'auxiliaire civil à la police judiciaire. Merci. Excusez-moi encore. Mais de rien, monsieur. Y a-t-il longtemps que vous travaillez pour la police? Juste un an, monsieur. Avant cela, j'étais sergent dans l'infanterie de marine. Au revoir, monsieur. Comment diable saviez-vous? Une lettre intéressante, Watson, une lettre très intéressante. Peut-être voudriez-vous venir avec moi? Où ça? Je suis un meurtrier, c'est évident. C'est évident. Comment saviez-vous que cet homme avait été sergent dans l'infanterie de marine? Qui? Le messager envoyé par la police. Ah oui, oui, l'ex-sergent d'infanterie de marine. C'est ce que j'ai dit. Oh, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire dans mes déductions, mon cher Watson. Mais le malheur est qu'une fois expliquées, elles perdent leur romantique auréole de mystère. Mon opinion était une combinaison d'observations et de déductions logiques. L'homme avait une encre tatouée sur le dos de la main. Vous-même auriez pu la voir du haut de la fenêtre. Je ne l'ai pas remarqué sur le moment, mais je crois m'appeler en effet avoir vu une encre. Je peux vous l'assurer. Et quand il m'a donné la lettre, j'ai aperçu deux fusils entrecroisés sous cette encre. J'en ai déduit qu'il avait servi dans l'infanterie de marine. Oh, ce n'était rien d'autre qu'une de ces 1000 suppositions que tout le monde fait chaque jour. N'ayez pas l'air si découragé, Watson. Essayez votre propre pouvoir d'observation. Nous allons entrer dans un lieu propice à cela. Oui, où allons-nous entrer? Dans une maison qui abrite un meurtrier. Thank you.
L'inspecteur Lestrade est-il là? Oui, monsieur. Puis-je savoir vos noms, messieurs? Oui, Sherlock Holmes, c'est le docteur Watson. Ah, c'est parfait, monsieur. L'inspecteur Lestrade a donné l'ordre de vous laisser entrer. Ah, bon. Oh, pendant que j'y pense, est-ce que le cadavre a été enlevé? Pas encore, mais le médecin légiste vient de partir. Ah, merci. J'ose espérer qu'ils n'ont pas déplacé trop de choses. Toutes les polices du monde ont atteint une maîtrise inégalable dans l'art de mettre le désordre partout où elles passent. Oh, vous exagérez. Alors, écartez-vous, voyons. Allez-vous-en, il n'y a rien d'intéressant à voir. Je ne sais rien. Je jure que je ne sais rien. Je voulais seulement l'aider. Vous ne me croyez pas? Il fallait que je le fasse, ça a été instinctif. Ce qui est instinctif chez une femme comme vous, c'est de commettre un meurtre. Oh, ce n'est pas vrai, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous me haïssez, mais vous ne pouvez pas croire que j'ai fait une chose pareille. Je peux le croire et je le crois. Voyons, maman. C'est une meurtrière. Tu le sais aussi bien que moi. Elle a assassiné ton frère. C'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Toute votre histoire est un mensonge. Vos soi-disant relations avec mon fils sont un mensonge. Oh. Mon fils est mort maintenant. Et c'est cette fille qui l'a assassinée. Pourquoi il l'a tuée? À quel mobile elle a obéi? Je n'en sais rien. Il s'était fiancé sans mon consentement. La seule chose qui me console, c'est qu'elle ne gagne rien par son crime. Votre devoir est de la faire condamner. Un instant, s'il vous plaît. Vous avez remarqué l'angle de la blessure, Watson? Oui. Vu la force du coup porté, il y a eu pénétration profonde de la région supérieure de la poitrine. Combien de temps s'est-il passé avant qu'il perde connaissance? Et c'est difficile à dire. 30 secondes? Une minute? À peu près entre les deux. Et avant qu'il meure? Très peu de temps en plus. Deux minutes? Trois? Trois ou quatre au maximum. Merci, Watson. Vous pouvez l'emporter. Oh, excusez cette interruption. J'aurais préféré avoir été invité avant que le corps n'ait été déplacé. Je me doutais que ça vous intéresserait, Holmes. Merci, Lestrade. Je vous présente mon ami, le docteur Watson, l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Ravi de vous connaître. Enchanté, docteur. Ainsi, vous êtes embarrassé, hein, Lestrade? Mais que voulez-vous dire? Vous vous doutiez que ça m'intéresserait. Avouez donc la vérité. Vous avez besoin de moi. Magnifique travail d'ébénisterie, vous ne trouvez pas? Ah, vous allez un peu trop loin, Holmes. Je vous ai accordé une faveur. C'est une affaire intéressante. Oh, bien sûr, il y a un ou deux détails inexpliqués encore, mais il ne me foulera pas très longtemps. Qu'est-ce qui vous tracasse le plus? Le manque de mobile. J'ai trouvé cette fille le poignard dans la main. Et mon frère étendu mort par terre. J'ai vu Peter sur le plancher, j'ai essayé de lui porter secours. Oui, en le poignardant. En retirant le poignard. N'importe qui aurait fait la même chose. Et je l'aimais. Voyons, mon enfant, il n'y a aucune raison de vous alarmer. Personne ne vous accuse, enfin, de ce qui s'est passé. Toute cette affaire ne serait qu'un jeu d'enfant si elle avait eu une raison valable de le tuer. Il se trouve qu'il y avait un agent devant la maison à l'heure du meurtre et il jure que personne n'est entré excepté elle. Mais à propos des autres, qui bénéficie de sa mort? Mais aucun. Son testament stipule que s'il venait à mourir avant d'être marié, sa fortune irait à des œuvres de charité. Mon cher inspecteur Lestrade, il est mort après s'être marié. Cette jeune personne et l'homme dont vous avez fait emporter le corps se sont mariés il y a au moins une semaine. Étant donné le décès de son époux, j'imagine que ses biens lui reviennent de droit. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'était marié? Vous l'étiez. Oui, depuis 8 jours. Donc vous bénéficiez de la mort de mon frère? Vous êtes son héritière. J'ignore si je la suis ou non. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne l'ai pas tuée. Où vous êtes-vous mariée? Nous sommes allés à Brighton la semaine dernière. Et pourquoi n'en a-t-il pas parlé? Je ne sais pas. Je lui avais juré de ne rien dire, j'ai tenu parole. Je suis dans l'obligation de vous demander de nous accompagner jusqu'à Scotland Yard. Oui, je comprends. Voulez-vous m'excuser, inspecteur? Je voudrais prévenir ma mère. Oui, c'est naturel. Dites-moi, Holmes, comment avez-vous su qu'ils étaient mariés? Eh bien, les mains de l'homme étaient brunies par le soleil. Sauf une bande étroite à l'annulaire, mais sans que ce soit le creux qu'une bague laisse généralement. Un week-end au soleil de Brighton expliquait tout cela parfaitement. Je n'avais rien remarqué. Oui, je le sais. Les mains de la jeune femme sont aussi brunies de la même façon.
Alors l'affaire est résolue. Oui, du moins on pourrait le supposer. Que regardez-vous? Vous voyez ça? Quoi? Ici. Prenez ceci. Attention. Merci. Mais ce n'est qu'une simple éraflure sur le tapis. Oui, mais elle est très récente. Oui, mais... Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Excellente question. Oh, ne vous fatiguez pas à chercher des indices, Holmes. Ah, pour vous, l'affaire est terminée. Complètement. Ah, c'est magnifique. Cette fille a un casier judiciaire. 9 mois à la prison de femmes de Holloway, du 21 février 1892 au 21 novembre 1892. À l'époque placée comme gouvernante, elle avait été condamnée pour avoir volé 300 livres à son employeur. C'est la vérité. Je savais que vous l'apprendriez. J'ai fait une bêtise il y a 5 ans, mais j'ai payé pour ça. De plus, je l'avais avoué à Peter avant le mariage. Je ne voulais rien lui cacher de mon passé. Oui, mais il ignorait vos arrière-pensées. Je n'avais pas d'arrière-pensées. Je l'ai épousée parce que je l'aimais. Je suis forcé de vous prier d'accompagner cet agent, mademoiselle. Ou plutôt, madame. Voici le genre d'affaires que je préfère. Rapides et simples. Dans ce cas, j'aimerais que vous nous en parliez davantage. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle raconte que c'est Peter qui lui avait dit de venir ici à 10 h. Elle est venue, la porte était ouverte. Alors elle est entrée et l'a trouvé gisant sur le plancher avec un couteau dans la poitrine. Elle s'est mise à hurler, elle le retirait juste au moment où le frère est entré. Peter est mort sans avoir dit un mot. Il est clair qu'il l'a poignardé pour avoir l'héritage et elle a été prise sur le fait, c'est simple. Oui, c'est ce que nous pensions, c'est très simple, n'est-ce pas, Watson? Oh, je maintiens que c'est une tragédie. Oui, mais dans mon métier, docteur, nous rencontrons la tragédie tous les jours. Un cigare? Non, merci. Je suppose que vous avez eu des aventures bouleversantes. Oui, parfois, il m'a fallu une grande philosophie de la vie pour continuer à faire mon métier. Oui, j'en suis persuadé. Mais n'empêche que cette histoire est affreuse. Bon, ce n'est que l'histoire d'une fille qui s'est crue plus forte qu'elle ne l'était. Pour une fille qui s'est crue assez forte pour tuer son mari, je dirais qu'elle a choisi vraiment la façon la plus stupide de commettre son crime. Que dites-vous? Que dites-vous de ça? Un carnet de chèques? En admirable déduction, Lestrade. Regardez. Ainsi, Peter Cunningham a tiré un chèque de 1 000 livres. Il y a 6 semaines, et il y a 5 semaines, et 4, et 3, et 2, et c'est tout. Eh bien? Ce chèque était à encaisser. Où voulez-vous en venir? Il avait une grosse fortune. Mais c'est une grosse somme chaque fois. Après tout, c'était son argent, il avait le droit d'en disposer comme il l'entendait. Vous venez d'exprimer une vérité profonde, Lestrade. Écoutez, Holmes, vous essayez une fois de plus d'embrouiller l'enquête. Oh, vous croyez ça? Oh, j'ai beaucoup de respect pour vos opinions, Holmes. Mais l'ennui chez vous, c'est que vous cherchez toujours la petite bête. S'il n'y a pas de mystère, vous vous efforcez d'en créer, sinon vous n'êtes pas satisfait. Juste, je ne suis pas satisfait. Mais les traces sur le tapis indiquent qu'il y a eu lutte. N'oubliez pas que l'homme assassiné avait plus de 6 pieds de haut. En cas de lutte entre lui et la jeune fille, je ne crois pas qu'il aurait eu le dessous. Elle l'a eu par surprise. Mais rappelez-vous qu'il l'attendait. Mais c'est ce qu'elle raconte, et je suis sûr qu'elle l'a attaqué par derrière. Il a été frappé en pleine poitrine, plutôt difficile à réaliser en attaquant par derrière, Lestrade. J'en ai assez, Holmes. Vous essayez de mener en bateau, mais c'est peine perdue, vous entendez? Cette fille est allée en prison, et elle y retournera, et elle sera pendue, et cette affaire est terminée. Watson, je crois que l'inspecteur Lestrade commence son heure de culture physique, qui consiste à enfoncer les bouts de bois carrés dans des trous ronds. Eh bien, j'étais ravi de faire votre connaissance, inspecteur. Je vous conseille d'éviter de fréquenter Holmes, sinon vous serez bon pour l'asile en moins d'une semaine. Quelle heure est-il? Un peu plus de 10 h. Vous n'avez pas envie de faire un petit tour? Pourquoi? J'aimerais faire une enquête plus approfondie sur l'affaire de cet après-midi. Oh oui, j'en serais ravi. Je pensais que vous l'aviez oublié. Pas du tout, je n'ai pas cessé d'y penser toute la soirée. Nous partons? Oui. Nous pourrons échanger nos pensées en route. Mais où allons-nous? Chez le Cunningham. J'ignorais que vous aviez rendez-vous. Je ne l'ai pas. Alors qu'ils vont nous rencontrer? Personne, je l'espère. Vous venez? Je vous demande pardon, Holmes, mais entre nous, qu'entendez-vous au juste quand vous dites que vous allez chez les Cunningham tout en espérant? Vous n'allez pas faire ça. Quoi? Entrer par effraction dans la maison. Pourquoi pas? C'est contraire à la loi, voilà pourquoi. Enfin, voyons, si nous sommes pris... Tout est là. Qu'est-ce qui est là? Si nous sommes pris... Mais ça ne change rien au problème. Vous n'avez pas, monsieur Watson. Ça ne change rien. Que nous soyons pris ou non, c'est un crime.
dernière fois, Holmes. Réfléchissez. Venez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, sergent. Rien à signaler? Rien, monsieur. Je pensais que Sherlock Holmes pourrait être dans les parages. Où avez-vous eu la clé? Ce n'est pas une clé, c'est une pince, monseigneur. Une pince? Quoi? La voie est-elle libre? Oui. Comment savez-vous qu'il est sorti? J'avais quelqu'un qui surveillait la maison, fouillait tous les meubles. Qu'est-ce que je dois chercher? Les papiers étaient relevés de banque, n'importe quelle trace de virement de l'argent retiré du compte de Cunningham. Bon. C'est absolument ridicule. Chercher quelque chose sans même savoir ce que c'est, sans même savoir à qui c'est. Je le répète, c'est ridicule. Rien de mon côté. Continuez à chercher. Qui croyez-vous qu'il est? Enfin, je veux parler de ce que nous cherchons. Pourquoi Peter Cunningham tenait-il à cacher son mariage? Une semaine de plus ou de moins n'aurait rien changé en ce qui concerne sa mère, en tout cas. Jamais elle n'aurait accepté sa nouvelle belle-fille. S'est marié afin de me prouver que mon chantage ne pourrait pas l'arrêter. Et il a caché son mariage à seule fin de m'accorder une semaine pour quitter le pays avant de me dénoncer la police. Et les sommes qu'il vous a versées devaient servir à payer votre silence. J'étais criblé de dettes, monsieur Holmes. Et les fiançailles de mon frère avec une jeune fille sortant de prison m'offraient une belle occasion de lui soutirer un peu d'argent. Et même s'il n'avait pas été si honnête, ça aurait pu devenir une très bonne affaire. Et la jeune fille sortant de prison vous apportait le coupable parfait. Parfait, monsieur Holmes. De même que vous et le docteur Watson m'apportez deux parfaits cambrioleurs. Quand la police apprendra votre mort, elle ne pourra que m'approuver de m'être opposé à la violation de mon domicile. Bravo, Watson. Ah, j'aurais pu faire mieux, mais c'est mon épaule blessée. Très juste, Watson. Vous ferez mieux la prochaine fois. Alors c'est lui l'assassin? Oui, le seul possible, c'était évident. Seul un homme avait pu porter un pareil coup. Peter est mort, vous l'avez dit, en moins de 3 ou 4 minutes. Et il y avait un agent devant la maison à ce moment-là. Oui. C'est enfantin. Bien sûr, c'est enfantin. Qu'allons-nous faire? Et qu'est-ce qui se passe ici? Qui a tiré ce coup de feu? Asseyons-nous avec ce bon inspecteur. Et avec l'aide de nos preuves, un peu de logique et un peu de compréhension de sa part, nous réussirons à le convaincre que la nuit succède au jour et que 1 et 1 inévitablement font 2. Comment êtes-vous entré ici d'abord, hein? Voyons, inspecteur, calmez-vous, calmez-vous. Venez, asseyez-vous sur cette bonne chaise. Tenez ici. Ça y est, nous avons des tas de choses intéressantes à vous dire. Était présent avec l'inspecteur Lestrade, le docteur John Watson et un ami personnel de l'inspecteur, monsieur Sherlock Holmes. C'est ridicule. C'est fantastique. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ceci va révolutionner toutes les méthodes d'enquête, Watson. Cet article n'est qu'un tissu de mensonges. Les empreintes, Watson, voilà l'avenir. Oh, sottise. Qu'est-ce que vous comptez faire? Un peu plus de recherche. Tenez, donnez-moi donc vos empreintes sur ce papier. Holmes. Allez-vous rester assis ici avec tous ces dégoûtants tampons à encre et les laisser s'en tirer comme ça? Je vous demande pardon. Et pas moi. Ils ont de mes nouvelles. Le brillant inspecteur Lestrade, quand je pense qu'il vous a fallu 3 heures pour convaincre cet abruti. Un détective. Pas étonnant qu'il y ait autant de criminels avec une police pareille. Je me demande s'il n'a pas eu autre chose d'atteint que son épaule en Afghanistan.